m'a laissé entrer sur la pelouse et se présenter justement au public. Les 22 actrices de cette rencontre, également les arbitres qui sont présents. On va retrouver Awa Sangaré pour le coup d'envoi de cette rencontre. Le premier ballon pour les Bordelais. Juraban là, qui a laissé ce ballon à Maïté Bouclio. Attention, il y avait des possibilités. La frappe et intervention parfaite de la gardienne qui peut resservir à nouveau Julie Raban, qui va pouvoir redresser ce ballon. Et le rond qui doit encore s'interposer. Directement le ballon pour Papriki. Oh, la frappe qui est boxée par le rond. Mais le ballon qui revient à Sangaré. Sangaré encore une solution à gauche avec Nesrine Balouli. Balouli dans la surface de réparation. Balouli face à Raban. Balouli qui peut frapper. Oh, ce ballon qui termine au fond du but. La frappe qui a été touchée par Julie Raban et qui termine au fond du but d'Elisa Launay. Et le pressing encore de Awa Sangaré. Awa Sangaré là qui joue de son physique pour récupérer ce ballon qui sert Bourgoin. Bourgoin, le petit ballon piqué au-dessus d'Elisa Launay. Et ça fait 2-0 pour les Girondines. Ça ne traîne pas ici à Lille. Déjà un deuxième but pour les joueuses girondines. Ça vire à gauche pour Maïté Boukli, le centre de Maïté Boukli. Et le ballon parfaitement capté par Justine Leron. Ça sera la dernière occasion de cette première mi-temps. Et Lilloise avec Jessie Roux. Ouais, le ballon aussi du billard là, dans la défense bordelaise. Attention Maïté Boukli et l'intervention de Justine Leron. Les Lilloises qui récupèrent ce ballon avec Papriki. Papriki derrière dans le ballon qui a été contré. La frappe de Julie Pion directement dans les gants de Justine Leron. Julie Raban en contre-attaque. Julie Raban, Maïté Boukli qui est parti à grandes enjambées, mais le ballon qui arrive jusqu'à Jessie Roux. Jessie Roux qui rentre dans la surface de réparation, qui tente d'alerter Maïté Boukli. Et Maïté Boukli qui met ce ballon au-dessus du but de Justine Leron. Qui dégage immédiatement, c'est bien joué ça, pour Julie Pian qui met un long ballon devant, pour Jessie Roux qui va rentrer en surface de réparation. Jessie Roux encore qui sert derrière pour Maïté Boukli qui frappe mais dans les bras de Justine Leron. Le ballon piqué pour Anaïs Ribeira qui a tenté la déviation pour alerter Marjorie Boilsen. Le ballon qui reste Lillois avec Julie Pian. Une solution à droite avec Maïté Boukli. Elle s'ouvre l'angle, Maïté Boukli, et elle frappe au-dessus. Derry Kim qui l'appelle dans le dos de Johnson. Derry Kim qui rentre dans la surface de réparation. Qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe le ballon qui est freiné par la gardienne lilloise. Azzaro, une solution à droite avec Maïté Boukli finalement. C'est en deux temps qu'elle a été servie. Maïté Boukli qui frappe et qui marque et qui réduit le score. Maïté Boukli. 2-1, le but, on va pas dire de l'espoir, mais au moins pour raviver un petit peu la flamme. Et cette fois-ci, c'est fini, victoire des Girondines qui glanent ici leur deuxième victoire de la saison.